famille, aujourd'hui, regardez avec qui je suis. Le meilleur des meilleurs des médias à suivre et ne pas louper. Toujours. Il est venu spécialement pour nous. Oh, attends, j'ai loupé, c'est juste là. Il est venu spécialement pour nous aujourd'hui pour filmer la maraude et participer aussi, bien sûr. Donc, à ne pas louper la fin. Dis-moi les choses avec monsieur Hakim. Comment vas-tu, mon frère? Ça va et vous? Comment ça se passe? Ça va, oui, ça va. Tranquille. Ça va. Je vois qu'il y a une maraude qui s'organise là. C'est ça, en fait. Ça se fait dans l'enceinte de ton établissement. C'est ça, exactement. Là, l'ouverture, elle est prévue pour le 23 août, c'est-à-dire lundi, le Hawkix. Et Nabil nous a demandé gentiment si on pouvait faire les préparations et diriger la maraude ce soir ici directement sur le Hawkix. Là, je suis un peu stressé derrière la caméra parce que c'est la première fois derrière une caméra. Et là, pour vous présenter, on est Hawkix. Là, Hawkix, c'est quoi? C'est un nouveau concept. Pas un nouveau concept, c'est on a un peu repris la façon de Chicken Spot, etc. Mais un peu 2021. Donc, il y a des nouvelles marinades, il y a du chicken, il y a du poulet, il y a des pizzas, il y a des poulets, des wings par exemple que vous mangez, des tenders, des façons avec des marinades spéciales. Si vous venez goûter, vous allez vraiment aimer. Franchement, si vous arrivez à y aller avec le temps ici, vous allez vraiment aimer. Après, il y a pas mal de vous faire à part des menus si vous venez. Il y a des sandwichs spéciaux, il y a des pizzas comme on avait dit. Je pense que là, je me répète. Et je pense qu'il y a tout ça, des wraps, des burgers, des tacos, fait maison, tout est fait maison. Tout est fait maison. Je vous laisse même rentrer à l'intérieur pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, la maraude se prépare juste là. On est un peu nombreux juste à l'intérieur. On va préparer les sacs de maraude. Et après, on part les distribuer. Tu me sens jeune et c'est motivé et déterminé. C'est ça, actuellement là, je viens d'avoir 24 ans. D'accord. Déterminé, ambitieux et on croit en Dieu et c'est plus important. On est déterminé. Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que moi je vois les gens de ta génération, oui. Ils n'hésitaient pas à entreprendre. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est la détermination. C'est la détermination. Quand on veut, on peut. Quand on est déterminé, on croit en Dieu et c'est comme ça. Là je suis un peu timide derrière la caméra. Mais c'est important d'entreprendre très tôt et faut croire en ses rêves. Moi, j'y croyais pas. Je me disais non, c'est pas possible. Et après, je me suis dit non, c'est pas comme ça. Tout le monde peut avoir. Quand on veut, on peut. C'est-à-dire que je me suis donné les moyens et je me suis donné les moyens. Et au final, je suis arrivé aujourd'hui au Hawkix. Voilà. Nous, il se trouve que pour finir, nous, on est une génération où on était plus employés. Oui. Parce que voilà, nos parents, ils faisaient la sécurité. Quoi. C'est vrai, ouais. Comment ça se fait que vous voulez plus être employé? C'est une question un peu délicate, mais au jour d'aujourd'hui, on veut être notre propre patron. C'est plus simple, c'est mieux, on est mieux dans la tête. Par exemple, moi, je travaillais à l'aéroport. Quand je travaillais à l'aéroport, c'était en intérim, les horaires décalés, tu dois venir à l'heure, etc. C'est un peu strict et même, aujourd'hui, d'avoir un CDI, c'est très dur. C'est très dur dans chaque enseigne, que n'importe où, que ce soit dans l'aéroport, dans l'aérien, ici, etc. Et tout. Donc, si on ouvre notre propre business ou notre propre projet très tôt, ben, on peut arriver à je sais pas comment vous expliquer, mais on peut arriver à un certain degré tout en restant humble et la détermination. Je ne sais pas trop parler, là, je suis derrière la caméra, c'est la première fois. Tu parles très bien. Mais voilà. Mais là, la maraude se prépare. Aujourd'hui, on va aller à la porte de la chapelle, on va aller distribuer. C'est-à-dire, dedans, on prépare des sacs avec des bananes, avec une petite boisson, de l'eau et avec un petit sandwich. On prépare 100, 200, 300, 300 sacs et on va les distribuer. Et tous les jours, on les distribue. L'association s'appelle Wayne Humanity. Et là, tous les jours, presque, on va les distribuer. Voilà. Putain, je respecte ta détermination et merci celle de tous les autres. Merci, c'est gentil. Franchement, je respecte votre génération parce que merci beaucoup. Et nous, on respecte la vôtre. C'est important. Parce que nous, on prend exemple sur vous. On prend exemple sur vous et on la prend et on prend notre détermination et on essaie d'aller plus loin. C'est le plus important. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bien sûr. La poubelle, il y a une poubelle là-bas. Ouais, sinon tu sais, une nouvelle poubelle là, tiens. David, envoie la poubelle, s'il te plaît. Merci. T'as mis des bananes, c'est bon? Ouais, bananes, jus. Si c'est que des... Il y a tout, ouais. Et il n'y a pas les sandwichs. Ok.
On va aller remplir le fourgon avec les petits colis. Donc attendez, dès qu'on va arriver là-bas, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on va faire une grosse maraude pour les SDF et pour les personnes qui sont dans le besoin. Vers Porte La Chapelle, Porte d'Aubervilliers, la Plaine Saint-Denis. Des petits secteurs qu'on a déjà fait auparavant pendant le ramadan. Et on aime bien aller là-bas parce qu'ils demandent. Donc, un petit sandwich, une madeleine, une banane, un jus de fruits et une bouteille d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça là, c'est grâce à des personnes qui nous suivent sur les réseaux et qui nous donnent la force chaque jour. Donc je tenais à les remercier. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Tranquille. Ça va. Là on prépare la maraude. Moi je suis chargé de charger les sacs, les ranger, les compter. Amener le camion. Donc ton rôle est très important. Là. C'est ça. Nous on va faire la livraison. On va assurer la livraison. Fait ça pour Inch'Allah aider ce qu'on peut, les gens qu'on peut aider. Mmh. Inch'Allah. Là tu penses que vous aurez combien de colis comme ça? Là on est à 63, c'est quoi? Et je pense qu'il en reste un bon paquet. Mmh. Et je vais voir combien on aura en tout et je pense qu'on reviendra vers vous et on vous dira le nombre total de dons. Okay. Ça, les 5. Salut à tous, aujourd'hui on est avec Disons les choses. Donc moi c'est Nabil de One Humanity, aujourd'hui on est à Ivry-sur-Seine, chez un ami à moi qui a ouvert son enseigne Okix à Ivry-sur-Seine. Et du coup comme je vous disais, aujourd'hui c'est une grosse maraude, parce que ça fait un bon petit moment depuis notre voyage humanitaire qu'on n'a pas fait de assez grosse maraude. Et du coup aujourd'hui, pour rentrer un peu plus dans les détails, on a ciblé des petites villes sur Paris, donc comme la Plaine Saint-Denis, Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers. Et du coup on va rendre visite un peu aux personnes qui sont dans le besoin, les SDF et Gare de Lyon aussi, je les ai oubliés, le camp de réfugiés, ils sont beaucoup et ils sont vraiment dans le besoin, que ce soit en vêtements, que ce soit en nourriture. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour parce qu'ils sont vraiment dans le besoin et on va pas se mentir, c'est nos frères, donc on se doit de les aider. Mmh. Donc voilà. Donc en fait, de ton influence par rapport aux réseaux sociaux, tu t'en sers à bon escient. C'est ça, exactement. En tout cas, tu essaies. C'est ça, exactement. Du coup, comme on s'est déjà vu il y a à peu près un mois et demi, le jour de ma signature de contrat, et d'ailleurs, je te remercie pour la vidéo que tu as fait. Durant cette signature, on en a parlé aussi. Faut pas oublier, je suis peut-être un influenceur, peut-être que je fais des vues, peut-être qu'on rigole sur Snap. Mais là, regardez, aujourd'hui, ça se passe ici. L'association, c'est tout pour moi. Donc, si je peux tout faire pour qu'elle monte grâce à mes abonnés, eh ben, je ferai tout. Donc attendez, je vais vous dire de venir un peu regarder à l'intérieur comment ça se passe. Et là, manger. Du coup, il y a des personnes là qui ont préparé des sandwichs. On m'a posé quelques questions. Grâce à nos partenaires, on a eu de la charcuterie offerte, des sacs, du pain, de l'eau, des bananes, et ainsi de suite, j'en passe. Et je remercie tous les prestataires qui bossent avec nous depuis maintenant un an. Et je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui nous suivent chaque jour, qui sont là pour nous aider et pour aider les autres. Et puis voilà. Est-ce que c'est important pour toi de faire tout ça? Bien sûr, c'est très très important, je ne vais pas te mentir. On pense tous les jours, on pense à nous. On essaie de penser un petit peu aux autres, tout simplement. Les pousser, moi. Voilà, tout simplement. On sait qu'il y a plein de gens qui sont dans le besoin. Et c'est pas pour autant qu'on,
même si des fois on a le cœur, on fait pas de gestes, on fait rien, mais de temps en temps, de donner un petit peu de temps pour les autres, et ben, Dieu te le rentre, tout simplement. Donc mes amis, vous en êtes à 158. C'est ça, 158. Il en reste encore là qui arrive. Mmh. Et ils vont bien manger ce soir. Mmh. Ils vont bien manger, je te l'assure. Le dernier colis. Aïe aïe aïe. Ça y est. Donc du coup, 163. 163 colis qui vont être distribués dans tout Paris ce soir. Magnifique. Je suis content là, je suis content. Ta casquette la haine. Je vais vous dire un truc, regardez, il y a écrit la haine. Jusqu'ici tout va bien. Parce qu'il y a Nab. On va l'oublier les gars. Tous les sacs ils sont chargés. Et c'est parti, du coup il y a 163 sacs. Je fais un gros big up à Morad. À Morad et Imen qui sont pas présents aujourd'hui. Et big up à tous les bénévoles de l'association Red Humanity qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et vous inquiétez pas, je suis maître des opérations aujourd'hui et on est très 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 bien accompagné avec une personne qui est venue nous faire une petite interview en même temps et participer aussi à la maraude ensemble. Et du coup voilà, tout va bien, on est là, tout va bien, tout va bien se passer, tout va bien se passer, c'est carré. La famille, du coup la préparation des sacs c'est fait, on les a chargés comme tout à l'heure, vous avez pu voir. Là on est à Porte d'Aubervilliers. Du coup on va aller distribuer ça aux. Il y a des migrants, il y a des personnes bah, qui vivent ici malheureusement, dans des tentes. Okay. Je vais laisser la parole à Akib de chez Okix, notre futur partenaire, si tout se passe bien. Alors disons-nous les choses. Aujourd'hui on va vous montrer ce qu'on a préparé. Comme vous avez pu voir auparavant, des sacs avec une boisson, un sandwich, une canette, une pomme, des madeleines et un capucin et une banane. Là on va partir comme il vous a dit, on va aller leur distribuer tranquillement, pépèrement, et on va faire au maximum de dons, de sachets, tout ce qu'il y a à donner, on donne. Voilà, c'est parti. Avec nos frères. Mister, c'est toi le mec à tout ranger. Enfin avec des refs. Moi j'ai compté les sacs, mais bien sûr j'étais accompagné de Nabil, Akib, c'est-à-dire qui est dans la voiture, toi bien évidemment, et plein de gens qui sont rentrés. Donc là, on va les tout livrer comme ils ont dit juste avant moi. Et voilà, après, du coup, Inch'Allah Yarbé, ça va se passer bien. Et au moins pour une soirée, ils ont un vrai repas avec un fruit, un gâteau, un bon sandwich et de quoi boire. Parce que franchement, on sait que c'est pas tous les jours comme ça. Si on peut le faire plus souvent, on essaiera un maximum de fois de le faire. Merci, merci. Merci à One Humanity de faire tout ça pour les personnes qui en ont besoin. Merci à tous d'être venus, etc. Inch'Allah, ça augmentera le nombre. J'espère qu'avec cette vidéo, ça vous donnera envie d'y participer et donner un maximum de force. Parce qu'on n'est pas dans le besoin, il y en a beaucoup qui ont besoin de se nourrir et plein d'autres choses. Il y en a qui ne mangent pas. Il y en a même quand on mange, des fois on jette notre part ou quoi, un gâteau, quoi que ce soit, et on ne pense pas à la personne qui ne mange pas du tout. Il fouille dans les poubelles, il mange ce qu'il y a. Alors que là, si ce soir, tous les jours, même vous faites des dons, allez faire des dons, même aller dans les maraudes, aider, donner à manger, même un petit truc, même s'ils le jettent, au moins vous avez fait le geste, c'est ce qui compte, c'est le plus important. Et surtout, il faut penser aussi à nos frères qui viennent du Maghreb, qui viennent vraiment de partout, qui pensaient venir en France et avoir la stabilité ici. Il faut bien penser à eux aussi, qui pensaient avoir la stabilité ici, avoir une vie, construire quelque chose. Mais malheureusement, bah, c'est pas ce qui s'est passé pour tous. Et ils se retrouvent maintenant à dormir dehors, à ne pas avoir de repas, alors qu'on va dire que quand ils vivaient au bled, on va dire qu'il y avait leurs parents, il y avait des repas, il y avait un petit confort. C'est ça. Mais maintenant ici, bah, ils ont rien du tout, mais il faut penser à eux les frères. Donc après je veux pas dire, on n'est pas tous parfaits, hein. Moi-même je suis pas parfait, hein. Je mange un grec, des fois je jette la moitié. Exactement. Je suis pas le meilleur, il n'y a pas de souci, mais si on peut essayer d'aider, je vais pas dire chaque vendredi ou chaque samedi ou même tous les jours si on pourrait même, mais si on pourrait tous aider, ça serait magnifique en fait. Ça serait le meilleur pour tout le monde, pour tous, je vous assure. Même si vous pouvez pas aider ni venir,
Vous avez l'association Wayne Manichi qui peut venir récupérer vos colis, votre argent, ils vont faire les courses avec, ils vous prouvent de A à Z comment ils ont acheté, comment ils ont fait. Comme vous voyez sur la vidéo, on a été filmé du début jusqu'à la fin, vous allez tout suivre. C'est vrai qu'on vit quand même dans l'opulence. C'est-à-dire, ouais. T'as vu, comme vous avez parlé de gaspillage, et souvent, oui. On est là à consommer plus qu'il n'en faut. C'est ça. Souvent même pendant le ramadan. Ouais, c'est ça, clair. Exactement. C'est ça. Beaucoup de gaspillage. Normalement, une table elle doit être garnie de ce qu'il faut, un repas pas le minimum, mais ce qu'il faut juste pour se nourrir. Et c'est vrai que maintenant, avec ce qu'on a, tous les ramadans, les tables elles sont plus garnies qu'il faut. La moitié à part à la poubelle. Et franchement, c'est pas ça. Déjà, ça, c'est pas l'esprit du ramadan, mais après, ça, c'est un autre sujet. Moi, ce que je voudrais rajouter aussi, ce que j'aimerais bien rajouter, c'est que pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, et surtout les plus jeunes, bon, je me prends pas pour un ancien, mais bon, quand même, par rapport à des petites 16, 17 ans, je suis plus grand que vous, et j'aimerais bien que, en fait, vous preniez ça comme un rappel, comme une leçon, et que. Parce qu'on sait que la génération de maintenant, c'est les réseaux, c'est Snap, c'est Instagram, c'est. Mais faut que comment dire, qu'avec cette vidéo, avec comment on procède nous entre guillemets les anciens et encore les autres anciens, ce qu'ils nous ont appris, c'est qu'il faut essayer de donner sans recevoir. Il faut donner sans recevoir. Parce que je peux être bien d'accord que de donner, et après on peut dire c'est de la gratitude parce qu'ils ne me regardent pas, parce qu'ils ne me sourient pas, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'SDF qu'on nourrit. Et qu'eux-mêmes ne nous disent pas merci, mais on le fait pour Dieu. Faut pas oublier. Exactement. On le fait pour Dieu. Donc, en tout cas, je vous remercie tous pour tous les dons que vous nous donnez. Et un maximum de partage. Et essayez d'apaiser vos cœurs. Magnifique. Carré ? Inch'Allah, que toutes nos intentions soient entendues par Dieu. C'est le seul mot que j'ai à dire. Amen. Voilà. Carré. Voilà, en direct de la maraude, c'est ici que ça se passe, la vraie misère elle est ici les frères. Là, on va partir distribuer tous les sacs, c'est important la famille. Même si vous ne voulez pas venir, vous avez peur, vous êtes timide, moi c'est la première fois aujourd'hui. L'association nous a contacté avec Léo Kix pour redistribuer ensemble aujourd'hui. Je suis venu avec plaisir, je suis timide de base. Aujourd'hui on est venu distribuer. Franchement ça fait du bien de voir qu'ils sont contents, on leur donne à manger ou quoi que ce soit. Même s'il y en a, ils vont le jeter, c'est pas ça qu'ils cherchent. Au moins on distribue, on le fait et c'est important. Même si vous pouvez pas, faites des dons. Vous venez même à voir comment ça se passe. Regardez comment ça se passe, on va vous filmer tout ce qui se passe, comment ça se passe. Vous allez voir les gens sont dans le besoin, ils en ont vraiment besoin, il faut les aider, que ce soit à manger, des sacs, des habits, etc. Ramenez-les ce que vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, faites des dons à des associations, à d'autres associations qui sont autres que Wayne Humanity, il y en a plein d'autres. Aider les pauvres, c'est le plus important. C'est très important. Merci beaucoup les familles. Petite maraude en comité réduit, t'aimes bien ça? Bah, Wayne, vraiment, maraude, 170 repas distribués en Joe. Coco Joe. Tu kiffes ou pas? T'aimes bien ça?